Okay, ladies and gentlemen, it is getting close to time to do our next round of tasting here at the World Pastry Cup 2013. Since we are moving right along in this on day two, that means that we're moving closer and closer to knowing exactly who's going to take home the gold, the bronze, and the silver at this 13th competition here in Lyon, in this beautiful hall, the Paul Bocuse Hall here at Syrah. So in a short while, we're bringing out all of the members of our international jury. All the members of our international jury. So if you were here this morning, you would have noticed that only half of the jury was tasting for the chocolate dessert. Then we brought out the other half in the afternoon that did the tasting for the frozen dessert. But for plated dessert, we bring absolutely all of those members of the international jury out. So that's 22 countries that are competing here with us at the World Pastry Cup 2013. Vincent, you know what you should do? Put it on the back of your phone like that so you're taking photos so that the camera can see the logo of your restaurant. Yeah, right. It's really right out there. Good. At least I get one good photo together with you. So let's bring out the members of the jury. Ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome out the President of Honor and the President of the International Jury. Please, let's have a round of applause for Jacques Charlotte and Jordi Bordas. Oui, les présidents d'honneur du jury, Jordi Bordas, Jacques de Charette. Jacques de Charette, je ne sais pas pourquoi. On te donne de la particule, Jacques Charette. Attention, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, si vous avez suivi ces épreuves depuis ce matin, c'est maintenant l'heure du dessert sur assiette. Et pour faire honneur à tous ces pâtissiers venus de 22 nations, nous allons avoir 24 membres du jury, 24 jurés venus noter ces desserts deux par deux. Nous allons commencer tout de suite à l'autre bout de la table par le président de la délégation du Royaume-Uni, Martin Schippers. And ladies and gentlemen, please welcome out the president from Team Portugal, Carlos Valente. Carlos Valente, le voilà. Je vais vous demander d'applaudir très fort le président de la délégation de Taïwan, Laura Xu Xu Li. And welcome our president from a Team Singapore, Ming Chung Yong. Le président de la délégation belge, Monsieur Herman Van Den Der. And please welcome out next the president from a Team Mexico, Martha Sanchez. Et voici le président de la délégation égyptienne, Ahmed Abdelsalam Younes. And please welcome out the president of Team Tunisia, Karim Alouz. Le président de la délégation italienne, Monsieur Gino Fabri. Ladies and gentlemen, welcome out the president for Team Japan, Norihiko Terai. Le président de la délégation danoise, Carsten Kay. Ladies and gentlemen, welcome out the president from Team Morocco, Kamal Rahul Asaloumi. Le président de la délégation des USA, Jeez Renison. Ladies and gentlemen, welcome out the president from Team Colombia,
Franklin Wilches. Le président de la délégation malaise, Ko Sin Chiam. Ladies and gentlemen, welcome out the president from Team South Korea, In-Chul Ruyo. Le président de la délégation argentine, Eduardo Ruiz. Ladies and gentlemen, welcome out the president from Team China, Louis Yi. Le président de la délégation australienne, Monsieur Dean Gibson. And let me hear you all make some noise as we welcome out the president from Team France, Frederic Cassel. Le président de la délégation ivoirienne, Paul Bassogog. And ladies and gentlemen, welcome out the president from Team Brazil, Flavio Frederico. Et enfin, le président qui arrive, voilà le dernier du jury. Un grand bravo à toutes les équipes du comité d'organisation sous la présidence de Pascal Molines, que je vous demande d'applaudir. Our wonderful international, our organizing committee, as well as the wonderful people that are helping us from the Institute of Paul Bocuse. Oui, tous les élèves de l'Institut Paul Bocuse sous la direction de leur professeur, messieurs Rispal et d'Auvergne, que je vous demande d'applaudir également. We are now about three minutes out from seeing the plated dessert here on day two, the final day for the World Pastry Cup 2013. Alors, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que la tension est en train de monter. Elle n'est pas encore à son comble. Nous sommes dans la dernière phase de cette Coupe du Monde de pâtisserie, 13e édition. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent ici sur cet espace Paul Bocuse, je rappelle que la Coupe du Monde en est à sa 13e édition. Autrement dit, elle est à maturité et l'on trouve pourtant autant de choses qui changent d'année en année, de points de règlement qui s'améliorent, de manière à laisser l'expression la plus libre possible aux nations venues des 5 continents. Je crois que c'est la grande particularité de la Coupe du Monde cette année que d'accueillir des nations venues des 5 continents, puisque vous le savez, l'Europe est largement représentée. L'Amérique du Nord, bien, nous avons les États-Unis, nous avons le Mexique également. L'Amérique du Sud, nous avons le Brésil, nous avons l'Argentine qui représente ces continents. En Afrique, eh bien, la Côte d'Ivoire est venue émailler ce palmarès cette année fantastique en finale, mais également l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Et j'ai vu également des amis algériens, des pâtissiers qui sont venus visiter de manière à préparer les prochaines Coupes du Monde. Donc très représenté. L'Asie, je n'en parle pas. Nous avons Taïwan, nous avons la Chine, nous avons Singapour, le Japon, bien entendu, qui représente également le continent asiatique, et l'Océanie avec une équipe australienne qui est venue cette fois-ci défendre les chances du continent océanien. Autrement dit, 5 continents, 22 nations, les meilleurs du monde, puisqu'ils ont tous passé des sélections nationales, continentales ensuite, pour être présents aujourd'hui à Lyon et essayer ce soir de monter sur le podium. So let's see if I can try and do this a little bit of justice. So what we're talking about now is the journey in order to get here to the World Pastry Cup. Not only are we all coming here to compete, but the countries have to compete in smaller competitions in order to get here into the final round here at this finale at the World Pastry Cup 2013. So there have been 5 other competitions, including the inaugural competition, the African Cup. It was started for the first time ever. And there is also a few other cups that have been involved, including the Copa de Maya for
Latin America, and there is the Asian Pastry Cup. There's also 7 different countries that come in an automatic round because of the scores that they got for the past 3 years. So those are averaged out, and those 7 countries have automatic entry here at the World Pastry Cup. Voilà, cette dernière épreuve. Je me tourne vers Thierry Froissart, qui est devant le box numéro 1. Thierry, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans les dernières secondes avant le démarrage de cette dernière épreuve? Est-ce qu'on est dans les temps? Je vois les premières assiettes qui sortent. Mesdames et messieurs, les premières assiettes sorties, je vois Patrick Chevalot dans un style impeccable, toujours très cool, qui va également surveiller la sortie des assiettes du box numéro 1. Je vois que l'on vit les dernières secondes. La tension est assez palpable ici sur l'espace Coupe du Monde, sauf pour les pâtissiers de Val d'Isère, où là, non, il n'y a pas de tension palpable, c'est les mains dans les poches tranquilles. Effectivement, lorsqu'on est devant, l'organisation c'est difficile, mais lorsqu'on est derrière, dans les cuisines, dans les box, c'est encore plus difficile, encore plus tendu. Regardez ces messieurs, voilà, je crois que l'on peut y aller maintenant. Le balai des élèves de l'Institut Paul Bocuse est bien réglé par ses professeurs. Ces demoiselles et ces jeunes gens sont prêts. Je vois Edouard Hersinger qui apporte le premier dessert. Je vous annonce, sortie du box numéro 1, le premier dessert de cette dernière et troisième épreuve, les desserts sur assiette de l'équipe de Chine. Ladies and gentlemen, welcome out the first plated dessert of the day from kitchen number 1 for China. Or not. We'll just hang out for a little bit as they continue to get 13 of these plates all in a line. So how this is going to work throughout the rest of the plated dessert tasting is that each of these judges will... Voilà ce dessert sur assiette de l'équipe de Chine, présenté à notre jury de dégustation. 13 assiettes pour 22 membres du jury. So ladies and gentlemen, this is the plated dessert from Team China. Now how this will work is the teams had to make 13 individual plated desserts for our judges. Those will be shared between 2 judges. So they will be sharing and tasting together with their neighbors. And of course, our president of the jury and our president of honor will be tasting as well. So what we're looking at here from Team China is an almond souffle with chartreuse lemon yogurt sorbet. So they... je regarde bien que le partage entre les chefs se fasse équitablement. Je vois par exemple le juge belge, notre ami Herman, qui a coupé en deux le gâteau et qui a proposé à Martha Sanchez de choisir quelle part elle voulait, si elle voulait la plus grosse des deux. Je trouve ça extrêmement galant, extrêmement respectueux. Nos amis Ahmed et Karim ne se battent pas. Non. Voilà, ils sont de la même région du monde et l'Égypte et la Tunisie se partagent volontiers ce dessert chinois. Du côté de la présidence, tout va bien. Je trouve que Jordi s'en sort bien. Je crois que le juge marocain Kamal est en train de piquer tout le dessert à Jacques Charette, mais c'est pas grave. Il y a des gourmands, hein. Voilà, c'est ça. Il surveille la santé de Jacques Charette. De ce côté-ci, le juge coréen s'attaque au dessert. Alors, je vais vous donner lecture de cette recette du dessert chinois. Il s'agit d'un soufflé aux amandes
avec une chartreuse au citron et un sorbet au yaourt, au yogourt. Almond, un soufflet d'amande. Qu'est-ce que c'est, elderflower? C'est quoi ça, elderflower? Does anyone know? D'accord, comme de l'aubépine, c'est de la rose sauvage. Hein? Ça ressemble à ça? Ok. This is very popular now that avec I know sauce, in New York. Alors, une sauce au elderflower, c'est-à-dire d'aubépine, le sirop qui va de même. C'est pas du sureau. C'est pas les trucs qui font les petites baignoires. Je me demande si... Bon, à travailler ça. Hein. J'aurais bien aimé avoir la traduction pour le coup. Et également, une chartreuse au citron et avec un sorbet au yaourt. Et le sirop de fleurs de sureau. So we have here, we're looking at an almond soufflé with elderflower sauce and an elderflower ball. It looks like they have infused with a syrup of elderflower as well on the inside, a truce lemon yogurt sorbet. So that's what we're looking at here for the first plated dessert of the day coming out of kitchen number one. Voilà pour la première recette, la recette de l'équipe chinoise. Je vous rappelle que cette équipe chinoise est représentée... D'abord, c'est le premier des, la première équipe à envoyer le dessert, ce qui n'est jamais facile. Cette équipe de Chine, représentée par Wei Yi, Monsieur Wei Yi, eh bien, elle est emmenée par son capitaine Chao Zhang de l'hôtel Qijiao à Shanghai. C'est une équipe entièrement venue de Shanghai aujourd'hui pour cette compétition. La glace est assurée par Xiao Junli et le dessert au chocolat, c'était John Chuanyan du parc Hyatt à Shanghai. Voilà, représenté aujourd'hui par une équipe forte, venue extrêmement soudée puisqu'ils sont tous les trois de Shanghai et ils représentent ici la grande nation chinoise. So we don't often see soufflés here in the World Pastry Cup. It's a risky move to do so many plated desserts that you know that have to wait for all of them to be delivered, to be photographed and then delivered out to... to be delivered out to the judges as well. So it is a risky move to see a soufflé. So we are going to see the next plated dessert coming out of kitchen number two very shortly. We'll just have all of those get set up and then we'll do the announcement. Mesdames et messieurs, voici les desserts sur assiette de l'équipe d'Australie dans le box numéro 2. So ladies and gentlemen, welcome out of kitchen and number 2, the plated dessert from Team Australia. What we're looking at here is a passion fruit and vanilla pavlova with exotic fruits. They have incorporated into their plated dessert almond nougatine. They have the pavlova, which is like a meringue, and they've used in that a passion fruit powder as well, so it'll have a hint of something special in there. An almond nougatine, as well as a passion fruit cremeau, and a raspberry jelly, a passion fruit and pineapple jelly, a blood orange yogurt and an olive oil cake, a pineapple curd, a crumble base, and more raspberry crumble mixed into it, a vanilla mascarpone ice cream, and exotic fruits. And in the exotic fruit, they have kiwi, pineapple, papaya, mango, and orange.
Passion Fruit and Vanilla Pavlova, bien, c'est un pavlova à la vanille avec un dessert aux fruits de la passion et fruits exotiques. Eh bien, pour faire ce dessert, il faut un gâteau pavlova, un peu comme une meringue, une nougatine aux amandes, un crémeux aux fruits de la passion. Ce crémeux aux fruits de la passion est agrémenté également de gelée de fruits de la passion et d'ananas. On y trouve également une gelée de framboise, un cake à l'huile d'olive et aux oranges sanguines. On y trouve aussi, vous vous en doutez, ça n'est pas fini, un crémeux à l'ananas et un crumble aux framboises qui viennent sous-tendre une crème glacée vanille au mascarpone. Mascarpone qui est un fromage un peu riche entre crème et fromage italien. Voilà. Une crème fromagée. The pavlova is actually a very playful take. They've used it as part of the sphere. The hardened meringue is part of the sphere that's gone on top of this cream. Really playful take, and the passion fruit is very refreshing as well. Alors parlons un petit peu de cette équipe d'Australie une dernière fois avant la fin de ce concours, puisqu'elle vient de terminer son concours en envoyant le dessert sur assiette. Il n'y a plus que les pièces de décor des buffets qui seront présentées au public et au jury dans la suite. C'est le président Dean Gibson qui emporte cette équipe et qui juge ici le dessert des concurrents de l'Australie. Il y a eu 9 participations pour l'Australie. Et elle est emmenée par son capitaine qui s'occupe du sucre, c'est Andrew Sanderson de l'école du Cordon Bleu à Ryde. La glace, c'est Barry Jones de Rochef à Sydney. Et également Justin Hughes s'occupe du chocolat, lui. Ce chocolat, eh bien, Continental Pâtisserie South Strathfield. Également une belle équipe qui a bien montré son travail aujourd'hui, Angela. So there's also a recipe available for Team Australia that's available online. They didn't have these up earlier because they wanted to keep everything under wraps, as you would. But now you can go ahead and take a look and look at the recipes for Team Australia. And that is teampastryaustralia.com. So if you're interested in taking a look at some of their recipes, those are all up and available. And later on, you'll be able to see some QR codes that'll take you directly to the website as well. Those will be circulating. We'll see if we can see those a little bit later. Voilà que nous attendons, enfin plutôt... Nos élèves sont au garde-à-vous devant le box numéro 3, tandis que le jury de dégustation en a terminé avec le goût de ce deuxième dessert, le dessert de l'équipe d'Australie, et qu'ils attendent déjà, en consultant leurs notes, ils attendent déjà le dessert suivant, ce dessert sur assiette, que nous allons pouvoir découvrir, comme vous le ferez vous-même, dans quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va donc... demander aux jeunes élèves de l'Institut Paul Bocuse leur prénom, par ordre de taille donc, puisque vous avez vu, c'est une vraie aide d'honneur qui nous est proposée. Et voilà, je suis la plus petite. Je suis Mina. Mina. Victoria. Victoria. Manon. Manon, ça va être dur à retenir, hein, mais j'essaye. Hein. Mina, Victoria, Manon. Agathe. Mina, Victoria, Manon et Agathe. Cindy. Cindy. Audrey. Audrey. Louis. Louis, tout d'un coup, ça fait déjà plus... Hein. Frédéric. Frédéric. Manon. Alors, il y a Manon, la moyenne, et puis il y a Manon, la grande. Comme ça, on arrive un peu à les repérer. Elle s'est glissée au milieu des garçons. Elle est immense, Manon. Julien. Julien. Martin. Martin. Combien êtes-vous, jeunes gens? 12. 12 pour... 12 pour 12 assiettes? Hein, c'est peut-être bien ça. Je crois qu'il y en avait une 13e. C'est peut-être Philippe Rispal qui va la porter lui-même. Regardez, quand Philippe Rispal prend la tête du défilé, on dirait une maman canard qui emmène ses petits à l'étang. C'est magnifique. Dans un seul balai, un beau cygne noir suivi de ses petits. Voilà. Bravo à tous ces élèves extrêmement disciplinés, extrêmement bien alignés, qui présentent une tenue formidable. Vous qui avez des enfants comme moi, on aimerait bien en avoir des comme ça, hein, qui se tiennent aussi bien. Thank you.
Looks like we're almost online for kitchen number three. Est-ce que vous êtes prêts, mesdemoiselles ? Prêtes ? Messieurs ? Voilà, c'est les garçons qui traînent, hein, comme toujours. Ah non ! C'est Manon la Grande. Et pourtant, elle a mis des chaussures plates. Hein. We're still waiting for a few more plates. It looks like three more plates need to be retour plated. Retour de Manon dans la file. There's a little bit of a hold up. I hope they're still on time. Et Julien, maintenant, qui tape à la porte. Il n'en manque qu'un, et ce sera celui-là. Ça y est. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 3, voici le dessert sur assiette de l'équipe du Maroc. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 3, the plated dessert from Morocco. So what we're looking at here from Team Morocco, they have named their dessert Mordor, which is the Middle Earth. Is it smoking? They have, together with their dessert, starting from the bottom, moving way up, a slice of mandarin with almond shortbread. There's a biscuit, a crumble after the biscuit, and more of a creamy layer with chocolate covered by a chocolate ice cream. Angela, are you a Lord of the Rings fan? You know, I actually read the Hobbit book and didn't get beyond that, but I've watched all of the movies. So là, on est dans la terre du milieu, dans le Mordor, cette terre étrange et maléfique. Espérons qu'elle sera bénéfique aux Marocains. Ce dessert qui est composé d'un biscuit avec une tranche de mandarine et d'amandes sablées, un crumble, coulis clémentine d'aquas amandes, ce crumble craquant, un crémeux aux amandes, une crème glacée au chocolat, des mandarines fraîches et un mix de caramel qui vient sous-tendre ce dessert marocain, toujours avec des agrumes et du chocolat. So it looks like they had multiple textures on their plate, bringing these out for the judges. Voilà cette équipe du Maroc que nous allons, Angela et moi, vous présenter une dernière fois. Président de la sélection, c'est Kamal Rahal Soulami, qui est pâtissier et traiteur à Casa. Et bien, il a amené un de ses gars avec lui, c'est Karam Elbouakri, qui s'occupe de la partie glace chez Rahal, traiteur, mais également le capitaine Karim Araou de Casablanca, du restaurant chez Daniel, et Salah Itchaklan du Meymana à Rabat. Voilà, trois jeunes gens pleins d'allant et pleins de techniques qui nous ont proposé tout au long de cette journée le meilleur de leur dessert pour essayer de se hisser sur le podium ce soir lors de la remise des prix qui, je vous le rappelle, aura lieu aux alentours de 18h30. Just taking a peek into some of the kitchens after they've put their plated desserts out. It's really magnificent to see these teams get the plated desserts out and immediately turn around and start working again back to doing what they were doing with their sugar and chocolate showpieces, because they only have until 4:30 in order to get those out and presented for us here on the buffet tables. So there is no rest for the weary. Papier, c'est mieux. T'as vu, on est bien bon quand même.
We are just about to see another plated dessert coming out of kitchen number 4. Mesdames et messieurs, du box numéro 4, voici le dessert sur assiette de l'équipe de Belgique. Ladies and gentlemen, welcome out the plated desserts from Belgium. Instantly, what's interesting here is the shape of the plated dessert. We don't see this kind of shape very often, but now over the past 2 days, this is the second time that we've seen one that was in a complete circle. I think yesterday, Team USA brought out a very similar shaped plated dessert. So what we're looking at here from Team Belgium is Soleil Gourmand. And they have the circle that you're seeing there is a panna cotta circle with an almond biscuit, white chocolate mousse, a passion fruit cream, grape balls. So the passion fruit cream is in a circular shape, which they've called grape balls. And the small balls are with the calamansi base, which is a very tiny, small, tart citrus that's grown in tropical places. It's a citrus that's about the size of 2 centimeters diameter. And they're also using the calamansi base syrup. And they have, they also have lime balls, a lemon base syrup, a passion fruit ice cream with banana and lime, and a mango sauce. And a frozen mixture as well. Oui, Angela, ce dessert qui s'appelle Soleil Gourmand, avec des anneaux de panna cotta, biscuits amandes, mousse chocolat blanc, grande quenelle, crème passion, la petite quenelle, des rouleaux de sushi, des boules de citron vert, un sirop au citron, une glace passion, un coulis de mangue, un glaçage jaune, une meringue passion, bonbons blanc demi, demi-sphère, dentelle sucrée au yogourt et un yogourt... un gâteau spongieux au yogourt. Et pendant que nous faisons la découverte de ce dessert, eh bien, Gabriel, lui, continue à aller chercher par-delà les monts et les vallées de cet espace scénique les amis de la profession, les amis de la pâtisserie. Gabriel. Merci, Vincent. Donc, on a le plaisir d'accueillir notre président national des pâtissiers. Merci Frédéric de sa présence et merci du soutien qu'apporte la Confédération nationale à tout le métier de pâtissier. Alors Frédéric, à toi, tu as 1 minute et demie, 2 minutes, autrement on te fait virer. Je vais faire très court, merci Gabriel de m'avoir invité bien évidemment. C'est un grand plaisir d'être ici à cette Coupe du Monde qui était la quintessence de notre profession. Moi en général à la Confédération on gère les débuts des jeunes quand ils démarrent la profession. Apprenti pâtissier, et après, effectivement, on voit à quoi ils peuvent arriver. C'est un métier qui fait rêver, un métier qu'elle vend en poupe, tout le monde en parle. Ça fait la une des médias, effectivement, la presse se fait l'écho de ce qui se fait chez les grands pâtissiers sur notre territoire. Voilà, je suis un homme tout à fait comblé et heureux. Alors, la Confédération, c'est aussi, bien évidemment, porter des CAP, mais c'est aussi porter tous les diplômes qui vont avec. On sait que pour arriver à ce titre de champion du monde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Eh bien, écoutez, moi, je souhaite aux uns et aux autres de continuer à construire la grande maison pâtisserie à travers le monde. Bien évidemment, c'est toujours un réel plaisir et une vraie joie un petit peu d'être ici aujourd'hui avec vous et de voir tous ces champions, tous ces grands champions, tous ceux qui vont devenir peut-être un jour meilleurs ouvriers de leur pays. Ça sera en tout cas avec grand plaisir que la Confédération pourra les accompagner. En tout cas, merci encore, Gabriel. Vraiment un beau concours à toi. Je crois que tu as porté... au maximum de ce qui pouvait être porté, ou quasiment au maximum, puisque comme tu me le disais, on peut toujours faire mieux. En tout cas, bravo à toi, et puis bonne Coupe du Monde. Merci, vous pouvez applaudir le président. Allez les Français là-bas, réveillez-vous un peu. For those who don't speak French, Mr. Frédéric Lécieux is the president of the Pastry Federation, the French Pastry Federation. So happy to be here today to see what work is done behind us
by the pastry chefs coming from all over the world. Et je crois que Gabriel va lui remettre la médaille du concours. Merci, Président. Voilà, nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle dégustation. Les équipes sont en train de peaufiner leur décor. On voit les travaux des Belges qui viennent d'envoyer leur dessert sur assiette. C'est maintenant le tour du dessert suivant. So it looks like we're getting very close to seeing the plated dessert coming out of kitchen number 5. On n'y est pas tout à fait, mais ça ne va pas tarder. It always makes me so nervous when I see the people rushing to do the plated desserts while their sugar showpieces are so close, because anything could happen at any moment, as we all know, as you guys know after coming here for years as well, that anything could happen at any moment, and you just hear that noise. So everybody do be very careful as you're doing your plated desserts, putting all your plates over towards the front of your kitchens. Yes, it's like an avalanche, you know, when you hear those ice breaking on the glaciers, and sometimes, you know, you're just talking, facing the audience, and there's that horrible noise coming from behind. It's a sound I will never, ever forget. I'm sure. Hopefully it won't kill anybody like an avalanche would, but... Which is one of my greatest fears. It kills their hopes, and it's even worse here on the contest. Alors attention, voici venu du box numéro 5, le dessert sur assiette de l'équipe de Singapour. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 5 from Team Singapore. You can't stand. What we're looking at here is a yuzu cremeau with a yuzu and mango croquant, followed by what's actually holding up some of the plating here to make it a little bit later is they are now putting a yuzu espuma on the plate, and that's causing a bit of a delay. Not all of the chefs have their plates out yet, so the wonderful team from the Institute of Paul Bocuse is patiently waiting behind them. They have a frozen yuzu marshmallow foam, a shortbread dough, a green tea micro sponge, which we see a lot of. It's a microwave sponge. And that's followed by an Italian lychee meringue. And there's a lychee glaze and a lychee sorbet. We learned yesterday that in Korea, yuzu is called yuja. Yeah, yuja. And that's so interesting that we've all taken internationally the Japanese word yes. for it. You're right. Alors voilà ce dessert sur assiette de l'équipe de Singapour avec un crémeux au yuzu, ce petit agrume très très parfumé, un croquant mangue et yuzu, un espuma de yuzu, une guimauve glacée au yuzu, pâte sablée, biscuit au thé vert cuit au micro-ondes, un glaçage au litchi, une meringue italienne au litchi, un sorbet au litchi. Voilà, c'est l'ensemble composé par les goûts très très agrume, très très puissant du yuzu et ce goût légèrement rose exotique que peut apporter le litchi avec ses petits gâteaux cuits au micro-ondes, ses petites éponges de thé vert au matcha. Voilà, un dessert très intéressant pour Singapour. Je vois le juge de Singapour, le président Mick Chung Yong, qui est en train de goûter et qui trouve ça très bon. Very cute. Looks like it came from nature. It doesn't look like it's actually a dessert. It looks right. like it could have been found anywhere. May I ask you a question, Angela? Maybe you don't yes. know the answer. What figures the 5 stars on the Singapore's flag? well. I actually was thinking about something else that has to do with the food. I don't know. Well, that's not an answer. Try and find the answer, and you'll tell me later on. Yes. It's not a clue. I have no idea.
Voilà cette équipe de Singapour qui va poursuivre l'épreuve. So actually, I was looking at the dish. Oh wow! So the president for the U.S. team was actually correct. So I just clarified with the president of the Singapore team because I didn't know. It signifies the five different races, the ethnic groups that live very harmoniously in Singapore. Okay, great. Thank you to Giles. Voilà l'équipe de Singapour qui vient de faire déguster à notre jury de dégustation. Pendant ce temps-là, nos jeunes gens de l'Institut Paul Bocuse. Il y en a qui ont du mal à rentrer dans le rang. Hein. Je vais le dire à M. Rispal. Hein. Il a levé un œil comme... Oh là là ! Calmez-vous les Français ! Nous attendons désormais le dessert suivant, celui dans le box numéro 6. Getting very close for... Kitchen number 6 to bring out all of their plated desserts as well. Please be very careful. It's okay, teams, you still have some time. Let's see what we can salvage here. Everyone be very careful. Taiwan, as you are plating all of your desserts here at the front, your sugar showpiece is right at the front there too. Voici le dessert du box numéro 6, le dessert de l'équipe de Taiwan. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome out the plated dessert out of kitchen number 6 for Team Taiwan. So here we have we are halfway through with the plated desserts. Vincent, what do they have here from Team Taiwan? Eh bien, c'est un dessert qui s'appelle Apple in the Mirror, la pomme dans le miroir. Mousse à la menthe, crème d'amande à l'orange. Coulis de pommes vertes, tranches d'orange confites au miel de longan. Longan, c'est une petite baie, un peu comme le litchi. Mousse au chocolat et la pomme verte. Tranches de pommes confites au miel de longan, je l'ai déjà dit. Glace à la pomme et sablé aux amandes et à l'orange. Voilà pour ce dessert de la pomme dans son miroir. Oh, what a beautiful presentation. They had a lot of height. It was very unexpected to see a plated dessert with so much height here. So what they brought out was a dessert called Apple in the Mirror, and it is a mint foam together with an orange and almond cream. They have longan and candied orange slices. Longan is a tropical fruit berry that has a hard exterior. And when you take the hard pink exterior out, there's a very nice, sweet, white flesh on the inside. It's a beautiful fragrance, this kind of fruit. And they also have incorporated in there a chocolate and apple mousse together with a longan honey candied apple and an apple ice cream with an orange and almond sablé. And that was all decorated on the plate going vertically instead of horizontally.
some reason I have the feeling we're getting very close to kitchen number 7. Oui, les Français sont un petit peu déchaînés, oui. I'm just going to let this happen. Kitchen number 7 is coming up very soon. You can see some of the plates being moved over the side of the boxes. Mesdames et messieurs, voici dans le box numéro 7 le dessert suivant, le dessert sur assiette de l'équipe de France. Ladies and gentlemen, we... Can everybody hear the sound? Where is the sound even coming from? Voilà le dessert de l'équipe de France dont je vais vous faire écouter à nouveau le son. It's for the race. So... Listen, everybody, wait, listen. Voilà le son d'équipe de France. Alors, on ne sait pas si ce sont des pâtissiers ou des pilotes automobiles. J'espère qu'il leur reste un petit peu de sens de la pâtisserie avec toute cette fougue, toute cette verve. La puissance d'essence en deux mots, hein, pas l'essence sans plomb. Et une pâte sablée reconstituée au citron, et un pain de gêne citron de menton, un mousseux léger au citron de menton toujours, confit de framboise, mélange de framboise, espuma à la verveine, sorbet framboise, croustillant... verveine, pardon, et une coque en chocolat noir pour ce dessert citron, framboise, verveine. So we have what we're looking at here is sensory power, and there is a sable paste that has been reconstructed with citrus, and they have pain de gêne. Citrus with mint. There is a mousse that has been spread with citrus and mints, or a raspberry confit, mixed raspberry. With an espuma. There's also an espuma, a raspberry sorbet, and some type of croustillant there. And a crunchy part of dark chocolate. Voilà, cette équipe de France pour sa 9e participation. Président de la sélection, c'est Frédéric Cassel. De Seine-et-Marne. Le capitaine, c'est Quentin Bailly, de chez Philippe Rigolo. Au travail du sucre, c'est Mathieu Blandin,
chez Pascal Capé. Au travail du chocolat, c'est Geoffrey Lafontaine. La glace, pardon. J'ai envie de dire 9e participation, car comme vous le savez, lorsqu'on remporte la Coupe du Monde, on n'a pas le droit de se représenter l'année suivante. Et donc la France a souvent manqué une année sur deux. Voilà, une année sur deux pendant laquelle ils peaufinaient leurs armes pour le rendez-vous suivant. So it looks like we're getting very close to seeing kitchen number 8. They're going to come out in a very short while with their plated dessert as well. That means that we only have 4 more kitchens for the plated desserts before we start seeing all of the teams bringing out their buffets. You can see some of the teams are getting that work done right now. Ladies and gentlemen, please welcome out from kitchen number 8, the plated dessert from Portugal. Oui, depuis le box numéro 8, le dessert sur assiette de l'équipe du Portugal. The plated dessert from Portugal. Its name is Sol, and Sol as in the soul of the body, spelling for soul. So they have an angel biscuit, which looks like they have used orange peel of orange, lemon, and port wine with the cinnamon. And there's also a creamy chocolate with ports and Siam pumpkin jelly. They also have used a mousse of pine nuts, cherry ice cream, a port wine reduction, and crunchy pine nuts. Alors, il s'agit d'un dessert qui porte le nom de Soul, l'âme, avec un crémeux au chocolat au Porto et à la courge de Siam, une mousse au pine nuts, c'est-à-dire au pignon, une mousse de pignon, une crème glacée à la cerise, une réduction de Porto et des petits pignons croustillants grillés qui viennent compléter ce dessert sur assiette, moitié glace, moitié gâteau. So we are moving closer and closer here to getting the plated dessert out for kitchen number 9. So the teams still have lots of work ahead of them. And remember, as you are moving all of your showpieces out to the buffet tables, be very, very mindful once you put something down of where you are moving next so that you can make sure that you can see where you're going and who is coming at you to make sure that you don't accidentally bump into anyone else. Because if you're moving your pieces out into the buffet tables at this point in time, remember that the plated dessert tasting is still going on, so there's lots of people walking around. Non, président Cassel, il me semble, enfin vous me dites, mais j'ai l'impression que dans les supporters, dans l'équipe française là, de supporters, il y a des rigolos. Ouais, on peut dire rigolos, ouais. On n'est pas des rigolos par contre. On les entend, hein. Messieurs, dans le box numéro 9, voici le dessert sur assiette de l'équipe de Côte d'Ivoire.
Ladies and gentlemen, welcome out the plate of dessert for the Ivory Coast. Cette équipe de Côte d'Ivoire qui a défendu ses chances crânement depuis ce matin, je vais vous donner lecture du dernier dessert sur assiette. Il est composé pour ce dessert qui se nomme la pirogue présidentielle. Eh bien, la pirogue, elle est faite de chocolat au lait et de beurre de cacao, bien sûr. Dedans, une meringue suisse vient prendre la place d'une mousse au chocolat blanc, d'une mousse passion, d'une mousse à la langue. À la mangue, ça mousse, hein, en Côte d'Ivoire. Ça mousse énormément. Meringue suisse aux fruits et un glaçage à la mangue. Les beaux fruits mûrs de Côte d'Ivoire. Okay, so what we have here that we're looking at for the Ivory Coast, they've brought out to their plated desserts, and they have a boat. So they have their dessert that has a canoe-like boat. They're using a Swiss meringue, as well as a white chocolate mousse, and a passion fruit mousse, mousse of mango as well, and a Swiss meringue with fruit, and then a frozen mango as well. And the Ivory Coast, we're so happy to have them here with us. It's their first time to join us here at the World Pastry Cup. We have some people that are joining us here on this stage. What a wonderful group of people. What an honor to have everybody here with us, right in the middle of our plated dessert tasting. Oh ben bien sûr, nous sommes exactement à la fin de ce concours, puisqu'il reste quelques minutes. C'est la Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, monsieur le maire, qui viennent d'envoyer leur dessert sur assiette, qui clôt cette compétition. Plus que le Brésil et le Royaume-Uni, nous en aurons terminé avec cette troisième épreuve de la journée qui vient effectivement clore cette compétition. Gabriel, je te laisse présenter tes hôtes de marque. Merci. Monsieur le ministre, merci de votre présence. Monsieur le sénateur maire de la ville de Lyon, merci de votre présence, mais je crois que vous êtes un habitué des lieux. Madame la directrice, merci. C'est un grand honneur pour la pâtisserie de vous recevoir. C'est une formidable réunion de la gastronomie. Je pense que nous n'avons rien à envier à personne quand on voit, et je te passe, quand on voit un tel résultat. Bon, encore une fois, merci à tous et je vous passe vite la parole pour qu'on ne perde pas trop de temps. D'abord, à monsieur le sénateur maire et après à monsieur le ministre. Merci beaucoup. Écoutez, bienvenue à vous à Lyon. Merci d'être présent pour nous tous les deux ans. C'est évidemment un plaisir d'accueillir le monde ici sur ce salon international de la restauration et de l'hôtellerie, avec Vincent Ferniaud qui anime ces concours de manière extraordinaire. Aujourd'hui, concours de la pâtisserie, on est heureux de vous accueillir. Évidemment, vous avez ici les meilleurs. Monsieur le ministre, vous le voyez. Il est soutenu, Gérard. Monsieur le sénateur maire, mesdames, messieurs, monsieur le président, c'est un grand plaisir pour moi, un honneur, que d'être parmi vous pour ce grand rendez-vous international, parce que j'ai bien compris qu'aujourd'hui, c'est toute la pâtisserie internationale et les grands noms de la pâtisserie internationale qui se sont donné rendez-vous à Lyon le temps de quelques jours. Alors, vous êtes fidèles en cela à votre tradition, c'est le patrimoine lyonnais qui est ici mis aussi à l'honneur.
Alors moi, je vous souhaite de très bons moments, tous ensemble dans cette grande capitale qu'est Lyon, et de très bons moments à savourer les produits, toutes les bonnes choses qui vont être mises devant vos bouches. Alors, bonne journée et à très bientôt. Monsieur le ministre, je vous garde une seconde. C'est vous qui allez donner le top départ pour l'assiette suivante, ce dessert sur assiette de l'équipe du Brésil. Vous parlez portugais ? Oh, ben, bien entendu, hein, on se doit d'être polyglotte hein, quand on est ministre. Alors, je vous laisse lancer le top départ. Je parle portugais, mais aussi français. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. C'est parti, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Pleased to meet the Minister of Agriculture, the French Minister of Agriculture, and the Mayor of Lyon that you met already last session, I guess. Yes, so it's wonderful to have so many people joining us here. We had a few wonderful words from the Mayor of Lyon, the Minister of Agriculture, and the Director of CIRA, who is here as well. And ladies and gentlemen, we have also seen the plated dessert from kitchen number 10 has just come out. This is from Brazil, their plated dessert. So the plated dessert from Brazil, they say our heart is green, gold, and yellow, green, and tropical. They have on their plate a pâté sucré, which is a sweet dough, is what they're translating it to, a coconut meringue, a chocolate sheet that is heart-shaped, which is made out of white chocolate and has some gold dust. There's also a yogurt mousse and a passion fruit cream. Dites-moi, les supporters français, on vous a pas beaucoup entendu. Vous pouvez saluer votre ministre de l'Agriculture tout de même. Tout à l'heure, ils chantaient la Marseillaise, mais là, ils sont un peu impressionnés. Hein. Faites voir si vous avez encore de la voix pour l'hymne français. Bien, voilà, l'équipe du Brésil qui a envoyé son dessert sur assiette dans un temps un petit peu plein de ferveur, puisqu'on a atteint la dernière partie de cette épreuve de cet après-midi de concours. Vous le savez, puisque vous avez l'habitude, cette équipe, elle se compose du président de la sélection, Fabio Federico, qui est là depuis ce matin à son poste, comme chacun de ses confrères du jury de dégustation. Vous trouvez également le capitaine Rafael Barros de l'Opéra Ganache à São Paulo. Il s'occupe de la partie glace Renata Araciro. Renata Araciro Chocolates à São Paulo. Et aussi Ramiro Bertassin, le Renaissance Hotel de São Paulo. Ils sont tous de São Paulo, du nord du Brésil. Voilà. So that's the team from Brazil, and that's everybody that is competing with us here today, and their restaurants as well. No, I was wondering. Yes? It's so helpful when you come from the same town, same city. Oh, yes. Oui, parce que là, vous voyez, par exemple, dans un pays de la taille du Brésil, not everybody si vous avez besoin de voyager d'un bout à l'autre pour faire une équipe, c'est très compliqué. Donc ça aide énormément de points de l'organisation d'être dans la même ville, dans un grand pays. Hein? Yeah, not everybody has that. Yeah, it's almost running from one side to other of a continent, you know? Yeah. If you live in Switzerland, it's okay, for instance. But if you live in Brazil, if you live in China, if you live in Russia, if you live in the States, you got to be from the same place in a way, or have good planes. On schedules. And actually, there are people that are competing this year at the World Pastry Cup that don't live in the same countries. One of the sugar guy from Korea lives in Lyon. Hey. Yeah. And the rest of the team lives in Seoul. Exactly. Voilà, cette équipe du Brésil pour un très joli dessert. Et je me rends compte que on n'est pas loin du dessert du Royaume-Uni.
Pour revenir sur celui du Brésil, je vous rappelle qu'il était fait d'une pâte sucrée, d'une meringue à la noix de coco, d'une mousse au yogourt, d'une crème de fruits de la passion, pulvérisée avec une sauce aux fruits de la passion. So I was just speaking to the president of Team USA, and he's saying that their entire team lives all across the U.S., and they all travel to Michigan to train, so some of them have a bit of jet lag with a three-hour time difference in order for them to all work together, as all of their training equipment is in Michigan. We still have one more kitchen to go. You can see the people from the Institute of Paul Bocuse that are lined up there. The last kitchen for the day is kitchen number 11. We have the people from the team from the United Kingdom there in the UK. They have been producing for us a theme that they've called Lost Worlds, which is a progression over time of the periods of extinction starting from the Ice Age. So remember that today we are also going to be doing the awards ceremony. So starting right after the last plate of dessert comes out, we're going to see all of these the back judging table cleared out so we can make space for the buffet tables. The buffet presentations will be brought out for the judges to judge. All the tabulations will be brought into the back, and those will be tallied up before we do our awards ceremony. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir, d'accueillir un grand ami de la pâtisserie, bien qu'il soit chef cuisinier. C'est monsieur Alain Ducasse qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau de cette Coupe du Monde de pâtisserie. Alain. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ladies and gentlemen, for those of you